Bonjour, nous sommes le 27 avril 2016 avec Julien Deleplanque qui est protestant et Arnaud Dumouche catholique. Nous sommes dans un dialogue œcuménique entre chrétiens pour bien manifester notre foi commune et évidemment, je dirais, nous répondre l'un à l'autre. Mais le but est d'abord la connaissance humble de la foi de l'autre. Et le thème d'aujourd'hui, ce sont les miracles, les prodiges, les faits extraordinaires qui existent dans le christianisme. Julien, je crois que tu voulais commencer. Tout à fait. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. Alors, on traite là d'un thème qui... Il faut savoir que, vous y a qu'à ouvrir une Bible, on voit énormément de miracles, effectivement, accomplis par Jésus, accomplis aussi par ses apôtres dans les actes du temps du ministère de Jésus et de l'Église primitive. Ceci a entraîné, dans l'Église plus moderne, un courant dit cessationniste. Donc c'est un courant qui dit, bon ok, on est chrétien, mais les miracles, c'est fini. Les miracles spectaculaires, guérisons spectaculaires, tout ça, c'était du temps de Jésus et éventuellement au 1er siècle, donc du temps de l'Église apostolique, mais maintenant il n'y a plus de miracles. À côté de ça, il y a un autre courant, lui, complètement l'inverse, ultra-charismatique, qui dit, en gros, je caricature, mais si vous ne parlez pas en langue, si vous n'arrivez pas à relever un mort et si vous n'arrivez pas à guérir un tuberculeux en lui imposant simplement les mains, c'est que vous n'êtes pas chrétien, parce que ça veut dire que l'esprit n'est pas en vous. Voilà. Alors, nous, face à ça, que fait-on? Bon, il y a deux passages, alors je vais en lire un seul, c'est dans l'Épître aux Romains, sur ces fameux dons de l'esprit, il y en a un autre dans l'Épître aux Corinthiens, donc je suis dans Romains chapitre 12, et je lis à partir du verset 5, c'est rapide. « De même, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns les autres, chacun pour sa part. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. » Que celui qui a le don d'encourager a l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité, etc. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Donc, on voit que les dons, nous ne sommes pas, en fait, cessationnistes. Nous pensons que les dons continuent. Mais la question à se poser, comme il est manifesté ici, c'est que les dons qu'on reçoit ne viennent pas de nous. Ils viennent de Dieu, d'une grâce, et ils viennent de la volonté de Dieu pour organiser ce corps du Christ. Donc, nous ne sommes pas cessationnistes, mais peut-être pas l'arrêt des dons de guérison. Il y a évidemment des guérisons reconnues, mais il y en a moins et de manière moins spectaculaire, tout simplement parce que la volonté de Dieu est peut-être d'affermir d'autres dons, comme ceux d'enseigner ou ceux d'éloquence pour porter la parole. Voilà pour le moment. Oui, tout à fait. Et Julien, je dirais que ce que tu as dit, eh bien, on peut dire que, comme catholique, je le partage tout à fait, avec quelque chose en plus qui vient sans doute du fait que les catholiques ne sont pas fondés que sur l'Écriture, mais aussi sur la tradition. Ça veut dire que l'Esprit-Saint qui continue de venir dans les saints et de leur rappeler des choses que Jésus a dites. Et on a un docteur particulier, docteur de l'Église, donc tu vois, c'est plus qu'un saint canonisé, c'est quelqu'un qui a apporté en théologie, qui s'appelle Sainte Thérèse d'Avila et qui a expliqué, qui a répondu à toutes ces questions. Pour Sainte Thérèse d'Avila, c'est simple. Il y a plusieurs âges dans la vie spirituelle, parce que ça ressemble tout à fait à ce qui se passe dans un mariage entre un jeune homme et une jeune femme. Au début, tu sais, on se tient par la main, on se fait des bisous tout le temps. Et puis, les vieux sont là qui sont pleins d'envie en se disant « Oh, on était comme ça dans le temps !» Tandis que les jeunes ont tendance à mépriser les vieux en disant « Ils se tiennent plus jamais par la main, c'est qu'ils s'aiment plus !» En réalité, c'est pas vrai. Je crois que les vieux, quand ils sont restés fidèles avec les épreuves, ils s'aiment davantage. Mais ce n'est pas la même expression. Eh bien, c'est exactement pareil dans la vie spirituelle. Tu remarqueras qu'au début de l'Église, donc au tout début des Actes des Apôtres, il y a plein de miracles au point que l'ombre d'un apôtre passe sur un malade et le malade guérit. Et puis, ils sont délivrés d'une prison. À la fin, c'est fini. Saint-Pierre est mis en prison par Néron, il ne pourra pas en sortir. Et je dirais même que la tradition catholique dit qu'il était complètement angoissé, avec une absence de présence de Dieu, tellement sensible qu'il vivait une nuit de l'esprit, c'est-à-dire une terrible nuit de la foi, et il a fini par être crucifié, comme le dit la tradition. Ça veut dire qu'en fait, les miracles, les signes sont donnés aux commençants. C'est très simple, quand on est débutant dans la foi, on a besoin de plein de preuves.
Alors on a la présence de l'Esprit Saint qui vient brûler notre cœur, c'est sûr, mais si en plus il y a des signes, donc des coïncidences subjectives frappantes, ou des prodiges, des miracles, c'est fantastique. Et puis ça s'arrête. Et tu vois, là-dedans, on a la réponse à ces pasteurs charismatiques qui, à un moment donné, n'arrivent plus à faire de miracles dans leur église. Et qui, du coup, désespèrent en disant « je ne dois plus avoir la foi ». C'est comme si il y avait un feu de paille des communautés charismatiques nouvelles, pentecôtistes par exemple, et puis à un moment donné, les gens, soit ils ne font plus de miracles, soit ils n'en ont plus envie, et du coup, ils croient qu'ils ne croient plus. Alors que c'est juste un deuxième âge de leur vie spirituelle, ils arrivent dans ce qu'on appelle la nuit des sensations. Il va falloir qu'ils prient le Seigneur sans rien voir, uniquement pour lui. Donc, en n'éprouvant plus de sentiments, un peu comme dans un couple où on se met à, la femme se met à aimer son mari alors que c'est le quotidien, c'est terrible, elle n'a plus les mêmes passions qu'avant. Voilà un petit peu. Ça va, Julien ? Ça va, ça va. Alors là-dessus, il y aura plus de désaccords sur la vidéo qu'on va faire ensuite. Non, c'est vrai que c'est un thème qu'on n'avait pas traité. Alors là, j'ai une question à te poser. Donc, tu as évoqué effectivement, donc, dans les courants protestants, le pentecôtisme, hein, qui est, j'allais dire, le fer de lance des communautés dites charismatiques. Avez-vous, vous catholiques, des communautés comme ça, dites charismatiques ? Complètement. Mais elles sont nées d'abord, c'est vrai, à l'époque contemporaine, chez les protestants. Et les catholiques ont repris ça, mais c'est devenu un mouvement catholique. Ça veut dire avec la prière à la Sainte Vierge, aux saints, aux anges, etc. Et les communautés charismatiques, qui sont nées dans les années 75, par là, eh bien, elles connaissent aussi le même phénomène. Les personnes sont devenues âgées, il y a moins de miracles, sauf dans celles qui naissent de nouveau, hein, évidemment, par des jeunes qui sont lancés, où là, de nouveau, il y a une floraison de miracles. Chez les vieilles communautés, il y en a moins, il y a une intériorisation. Et elles ont été suivies par des prêtres catholiques, comme par exemple le père Lethel. Eh bien, ces prêtres-là, ou plusieurs prêtres catholiques, qui les ont orientés vers une intériorisation. De plus en plus, si bien qu'ils n'ont pas vécu les épreuves des communautés évangéliques qui, à un moment donné, comme il n'y a plus de miracles, se mettent à douter en disant à la personne qui n'a pas été guérie, c'est parce que tu n'as pas la foi. Qui n'arrivent pas à comprendre que parfois le Seigneur ne guérit pas parce que c'est une bonne épreuve pour la personne, pour que simplement elle découvre l'humilité. Tout à fait. Là. Et bon, on croit même, mais que. Alors, c'est pas malheureusement, mais c'est que cette. C'est parfois dur à dire, mais c'est que cette épreuve peut aller jusqu'à la mort physique. Enfin, après, il y a des choses. En tout cas, elle va jusqu'à la mort spirituelle, la kénose. Personne ne rentre au paradis sans mourir à soi-même, dit Jésus. Le grain de blé tombé en terre. Et donc ça arrive tôt ou tard, il faut le savoir. Voilà. Et il y a... Alors, je vais pas... Commenter, en effet, tu as évoqué les demeures spirituelles, enfin le système expliqué par Thérèse d'Avila. Et il y a une chose, donc, pour illustrer l'extrait que j'ai lu de l'Épître aux Romains, il y a, alors c'est un peu en parallèle hein, dans l'Épître aux Corinthiens, donc bon, il y a aussi le contexte, hein, c'est que Corinthe, c'était un peu un lupanar et un bordel à ciel ouvert, apparemment, au premier siècle du christianisme, d'où cette épître un peu, parfois de recadrage par rapport à l'épître aux Philippiens, qui, elle, est beaucoup plus une épître presque de louange à la communauté. Et il dit pareil, hein, au chapitre 12, verset 7, « À chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour le bien de tous », donc il lit plusieurs dons, dons de guérison, dons de foi, etc., et il dit bien au verset 11, « Mais toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les accomplit en les distribuant à chacun, en particulier comme il le veut. » Et ça, c'est bien, je trouve, en réponse, parce que parfois, certaines communautés charismatiques peuvent avoir tendance à penser, comme je disais un peu en introduction de la vidéo, en gros, je caricature, mais en gros, si tu relèves pas un mort, t'es pas un chrétien, quoi. Et voudrait un peu faire de chaque chrétien un couteau suisse, qui a tous les dons, qui a le don d'éloquence, qui a le don de guérison, qui a le don de prophétie, etc. Or, l'apôtre Paul semble vraiment manifester ici, en les distribuant à chacun, en parlant des dons en particulier, comme il le veut. Surtout le fait que ça ne dépend pas de nous. Absolument. Et là, je crois que là-dessus, on a parfaitement la même foi, profondément. Julien, je crois qu'on a tout dit hein, sur ce thème-là. Et alors donc, on va passer au suivant. Merci beaucoup. Au revoir.